Pour les 50 ans de son ami Gilles Lellouche mardi 5 juillet, Guillaume Canet a eu la brillante idée de poster une photo de lui torse nu. Mardi 5 juillet, plusieurs célébrités fêtaient leur anniversaire. Parmi elles, Gilles Lellouche. Le comédien et réalisateur a 50 ans. On ne doute pas une seule seconde que la star ait été gâtée par son entourage et sa famille. Sur les réseaux sociaux, Guillaume Canet avait un cadeau bien particulier. Son ami a dévoilé une photographie tout droit sortie des archives. Sur le cliché pris lors d'une séance de surf, le cinéaste fait admirer son corps musclé. Putain, t'es toujours frais à 50 balais. Photo prise ce week-end. Joyeux toi mon frère que j'aime, a écrit le papa de Marcel et Louise. En commentaire, les internautes se sont naturellement fendu la poire. Le principal intéressé appréciera. Un duo bientôt de retour au cinéma, on retrouvera prochainement le duo dans le prochain Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Plus exactement, le 1er février 2023. Une réalisation signée Guillaume Canet qui incarnera Astérix, succédant au passage à Clovis Cornillac, Édouard Baird ou encore Christian Clavier. Pour le rôle d'Obélix, c'est donc Gilles Lellouche. D'ailleurs, l'an dernier, son frère Philippe avait fait quelques révélations concernant sa préparation à ce personnage. Il m'a appelé en me disant, c'est épouvantable, j'ai envie de chialer tous les jours. Grossir, c'est notre angoisse, avait-il dit au micro des Europe 1. Il fait de la muscu 2 heures par jour, parce qu'il faut qu'il soit gros mais musclé, avait-il ajouté expliquant qu'il était aidé par un nutritionniste pour suivre un régime spécifique afin de prendre 20 kilos. Sans oublier les sessions de musculations intensives. Donc il me dit, quand j'entends le coach sonner à la porte, j'ai envie de chialer. Il me dit tous les jours, j'en peux plus. On découvrira donc le résultat de ses efforts dans un peu moins d'un an.